Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de la notion du destin. Qu'est-ce que c'est que le destin? Il est pas rare d'entendre nos compatriotes spéculer sur le concept. Ce soir, avec notre invité, nous irons davantage en profondeur sur ce concept qui alimente si tant les débats. Et dans un instant, parole aux spécialistes. Et notre invité ce soir, il a pour nom Kenneth Goumissi. Il est professeur d'anthropologie gnostique. Monsieur Goumissi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ntéo. Et merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que le destin? Bien, le destin, c'est un enchaînement d'événements agréables et désagréables qui constitue la trame de la vie d'un être humain ou d'une communauté. Il est important de préciser ici que ces événements, quelle que soit leur nature, avantageux, désavantageux, neutres, ont été provoqués par les actions de l'individu lui-même. C'est-à-dire que le destin fait intervenir les notions de karma et de vie antérieure. Il y a beaucoup de spéculations sur ce que c'est que le destin, il y a beaucoup d'amalgames et nous aurons l'occasion dans cette émission de clarifier correctement. Alors vous aviez évoqué tout à l'heure un autre concept, le karma. Alors qu'est-ce que c'est que le karma? Bien, karma c'est un mot sanskrit qui signifie action. Le karma en réalité c'est un principe cosmique qui découle d'une loi universelle, je veux nommer la loi de cause et d'effet. C'est une loi qui fait partie des 48 lois universelles qui nous régissent dans ce monde terrestre. Nous sommes régis par 48 lois. Nous savons que quand on va dans des dimensions plus subtiles, le monde astral par exemple qui est la dimension immédiatement supérieure à la nôtre, on a 24 lois, ainsi de suite. Alors, selon cette loi, la loi de cause et d'effet, nos actions sont des causes. Et les expériences que nous vivons sont les conséquences, les effets de ces causes-là. C'est une loi qui fait intervenir la notion de responsabilité. Il est vrai, aujourd'hui, quand on entend parler du karma, on pense immédiatement, ou je dirais même exclusivement, à la douleur, à la souffrance. Or, karma, ça veut dire action. Quand l'action est correcte, quand l'action est bonne, alors la conséquence est également positive. Donc, bon, ce n'est pas le karma qui nous fait du mal, qui nous punit. Non, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire nous posons des actes et nous devons subir les conséquences. C'est pourquoi c'est plus juste de parler de mauvais karma et de bon karma. Ou on utilise plutôt le terme de dharma, qui veut dire mérite, qui veut dire récompense. Donc, le karma, c'est une sorte de punition divine, d'accord, de conséquences directes de tous les actes déplacés, injustes que nous posons. Et le dharma, c'est la récompense, le mérite que nous donne la divinité pour tout ce que nous faisons de correct, qui est en ordre, qui respecte l'harmonie universelle. Alors, quelle est l'entité ou qui est-ce qui détermine le destin? Bien, si n'importe quel croyant veut répondre à cette question, il dira c'est Dieu. Mais dit de cette façon, c'est trop abstrait, c'est vague, parce que Dieu, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, ne sait pas ce que c'est. D'accord. Dieu, en réalité, c'est l'unité multiple parfaite. On dit que Dieu, c'est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est-à-dire Dieu, ce n'est pas un individu, pas même un individu sacré. Dieu, c'est une armée d'anges. Voilà pourquoi nous disons que le monothéisme est beaucoup plus loin de la réalité que le polythéisme. Aujourd'hui, on a tendance à sous-estimer les religions polythéistes.
Mais bon, la conception polythéiste, la conception de Dieu dans le polythéisme est beaucoup plus proche de la réalité parce que Dieu, ça dit, c'est toute une armée. Et bon, quand on entend parler des dieux, c'est-à-dire quand on met le mot Dieu au pluriel ou des divinités, ça choque, ça dérange certaines personnes. Mais c'est la réalité. Et bon, si nous prenons notre tradition, on sait qu'il y a une divinité pour l'eau, une divinité pour l'air, une divinité pour le feu, pour la terre. Pour l'air. Mais c'est la même chose dans d'autres religions, dans les religions dites monothéistes, parce que les anges de Dieu, les anges dont on parle par exemple dans le christianisme de l'ange de l'amour, Uriel ou Anaël, on parle de l'ange de la médecine, Raphaël. Voilà, donc c'est la même chose que les divinités dont nous parlons dans les religions polythéistes. Donc c'est très important de faire cette clarification par rapport à Dieu. Ouais. Donc c'est clair, le destin, c'est Dieu qui définit notre destin. Maintenant, quand nous scrutons un peu les cultures ancestrales, les mythologies, si nous prenons précisément la mythologie égyptienne, l'aspect de la divinité qui règle la justice, on l'a appelé Maat, M2AT, c'est-à-dire une déesse qu'on reconnaît avec une plume sur la tête. Maat, c'est l'incarnation de la justice et de la vérité. Cette divinité, cette déesse égyptienne a été reprise dans la mythologie gréco-romaine, parce que nous savons que les Grecs ont tout pris de nos ancêtres égyptiens, et on l'a nommée Némésis, qui littéralement signifie la colère de Dieu. C'est plus juste de parler de la rigueur de Dieu. Donc, c'est Maat qui représente cette justice divine, Maat ou Némésis. Bon, aujourd'hui, bien sûr, la justice divine, on la représente avec une femme qu'on montre avec une balance dans une main, une épée dans l'autre et un bandeau sur les yeux. Et c'est hautement symbolique, profondément mystique, parce que le bandeau montre le caractère impartial de la justice divine. C'est dommage, et notre justice, la justice terrestre, humaine, si je peux la qualifier ainsi, n'est pas toujours objective. C'est une justice plutôt subjective. On peut remarquer aisément que les riches, les gens qui sont puissants, devant notre justice, devant les juridictions, ces gens-là ont souvent raison et c'est les pauvres qui ont tort. Donc la justice divine ne fonctionne pas comme ça, la justice divine est totalement impartiale. Donc le bandeau signifie, bon, on ne veut pas savoir qui est là, qui a commis la faute, de qui il s'agit, qu'il soit pauvre ou riche. Donc la justice, c'est la justice. Et l'épée représente le caractère rigoureux de la justice. Donc l'épée est là pour trancher. Et la balance représente la miséricorde. Samuel Anouvio, qui est un grand sage gnostique contemporain, dit que la justice sans la miséricorde est tyrannique. Et la miséricorde sans la justice est anarchie, complaisance avec le délit. Donc c'est pour dire que Dieu utilise la politique du bâton et de la carotte. Donc quand c'est bon, avant de nous punir, Dieu va jauger avec la balance nos actes, les circonstances dans lesquelles nous avons posé ces actes-là. Maintenant, il faut, j'insiste, je précise que la Maat égyptienne ou la Némésis grecque représente l'incarnation, la personnification de la justice. Dans la pratique, la justice divine est exercée par un être sacré, un être divin, que les Égyptiens ont appelé Ampou, le dieu Ampou, beaucoup plus connu sous son nom grec, Anubis. Oui. C'est une divinité qu'on représente avec un masque, une tête de chacal. Ce n'est pas un monstre mi-homme,
Mi-chacal, non, c'est un masque qu'il porte quand il doit officier, un peu comme les masques que nous avons dans notre tradition, les Egougun, d'accord, qui représentent les revenants, nos ancêtres, ou bien les Angueto, les gardiens de la nuit. De la nuit. Donc Anubis, quand il officie, il porte ce masque de chacal. Et c'est très symbolique parce que le chacal, c'est un cousin du chien qui vit dans le désert, qui est très endurant. Qui est très endurant, c'est-à-dire que, comme on le dit vulgairement, quand tu dois à Dieu, mais tôt ou tard, tu payes. Quand Dieu te pourchasse, il va t'amener à payer jusqu'au dernier centime de ce que tu dois. Donc, c'est cela que les Égyptiens, les anciens Égyptiens ont voulu représenter. Maintenant, on sait que le chacal, d'accord, le chien déjà, on sait que c'est un animal qui a les sens très aiguisés. Oui. Le chacal, beaucoup plus. Donc, avec ses longues oreilles, le chacal ou Anubis arrive à tout entendre. Tout ce que nous faisons, Dieu sait. Quand on dit que Dieu est omniscient, omnipotent, ben, on se demande comment Dieu peut surveiller, par exemple, ici sur Terre, rien que sur la Terre, et nous savons que la Terre n'est pas la seule planète habitée, mais rien que sur la Terre, on fait à peu près 7,5 milliards d'êtres humains. Comment Dieu arrive à nous surveiller? Bon, c'est parce qu'il y a ce caractère-là d'omniscience, d'omniprésence de la divinité qu'on montre avec les oreilles, les très longues oreilles de Anubis, qui entend tout ce que nous voyons, qui sent tout, qui a une vue très perçante, qui voit tout ce que nous faisons. Anubis, c'est-à-dire le bras exécutif de la justice divine, si nous voulons parler un langage terre à terre pour rendre la connaissance, c'est-à-dire mastiquer la connaissance et la rendre facile à digérer pour nos auditeurs, on peut comparer Anubis au procureur général. Au procureur général, mais Anubis lui-même, c'est un être. Comment il peut nous suivre, nous tous? Mais c'est parce que en nous, à l'intérieur de nous, au fond de notre conscience, il y a une partie de notre être, une partie autonome, autoconsciente, que dans le gnosticisme, nous appelons le chaos intérieur, d'accord, qui provoque en nous le jugement intérieur. Vous savez, face à certaines erreurs, à certaines fautes, on rentre en soi-même et on a un regret. Donc, il est un peu comme l'ambassadeur de Anubis en chacun de nous. Il est un peu comme, on peut le comparer au procureur de la République. Donc, il est là quand on bouge, même si on s'enferme dans sa chambre et on commet un acte préjudiciable, ben, il le sait. D'accord. Donc, c'est comme ça que la justice divine sait ce que nous avons fait de bien ou de mal pour finalement, c'est-à-dire déterminer notre destin. Alors, quels sont les différents types de karma? Bon, vous savez, Dieu, j'ai dit tout à l'heure qu'un caractère très fondamental de la justice divine, c'est l'objectivité. C'est une justice totalement objective, d'accord? Donc Dieu ne rate jamais sa cible et Dieu ne fait pas de confusion. Il n'y a pas d'erreur judiciaire dans la justice divine, comme on peut en voir ici où une personne peut rester 5, 10, 20 ans en prison avant qu'on ne se rende compte que c'est un innocent. Donc, il y a plusieurs types de karma. Donc, on peut parler du karma individuel, du karma collectif, du karma familial, du karma national, du karma mondial. Si vous permettez, je vais expliquer un peu pour que les auditeurs puissent comprendre le fond de notre pensée. Le karma individuel, comme le nom l'indique, c'est un karma qui touche une seule personne, un individu, parmi tant d'autres. Je prends un exemple. Dans une famille, on peut avoir des enfants, ils ont tous eu, ils ont fait les études en brillant beaucoup, mais il se fait qu'il y a un qui n'arrive pas du tout à trouver un emploi ou un emploi stable. Ou bien, dans la famille, il y a une personne là, un membre de la famille qui a une maladie très grave que les autres n'ont pas. Donc, c'est un karma, c'est une souffrance que lui seul subit, même si indirectement, ça va impacter les autres membres de la famille. Donc, ça, c'est assez clair, le karma individuel. Le karma familial, par contre, touche
toute une famille. Donc, des gens qui sont liés par le sang, ça peut être un incendie qui ravage la maison familiale, ça peut être une maladie héréditaire. Oui. Donc, dès qu'on est dans cette famille-là, ben, on porte cette maladie qui est peut-être grave, qui va nous empêcher de vaquer convenablement à nos occupations. Ça peut être un accident de voiture qui emporte tous les membres de la famille. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est le karma familial. Le karma collectif touche un collectif, un groupe de personnes qui n'ont pas forcément un lien de sang, d'accord. On voit ça dans les accidents de voiture, même de moto, dans les crashs d'avion, d'accord. On voit ça dans les crashs d'avion. Le karma national, c'est un karma qui touche toute une nation entière. Donc, les populations de ce pays-là vont souffrir d'une manière ou d'une autre. Exemple, les guerres civiles. Donc, la guerre civile, ça peut être aussi une épidémie. Les dictatures aussi. Donc, tous ceux qui sont là d'une manière ou d'une autre sont touchés par ce karma-là. Et enfin, le karma mondial, comme le nom l'indique, concerne le monde entier. Voilà les différents types de karma. Mais est-ce que le karma, la notion de karma, est-ce que le karma est assimilable à la fatalité? Non, il ne faut pas confondre le karma avec la fatalité. Parce que, au fait, le karma, comme l'avons dit, ça signifie action. Oui. Donc, à un moment donné de notre existence, de cette vie ou des vies antérieures, nous avons posé des actions qui ont des conséquences. Oui. Je prends l'exemple de conséquences négatives. Alors, on dit que une loi supérieure efface une loi inférieure. C'est une phrase sacrée, d'accord? Une loi supérieure efface une loi inférieure. Donc, si après, on a compris notre erreur et on change de comportement, on pose maintenant des actions de type supérieur, ça va changer la donne, ça va changer la donne. Donc, ce n'est pas, on peut dire que ce n'est pas Dieu qui nous punit directement. On se récompense soi-même ou bien on se punit soi-même. Le karma nous met dans un contexte donné. Dans des circonstances données. Le plus important dépend de notre réaction face à ces circonstances, à ces événements. Donc le karma n'a rien à voir avec la fatalité. Non, est-ce qu'on peut échapper au karma? Oui, on peut échapper au karma parce que comment échapper au karma, c'est de poser des actes corrects. C'est-à-dire, quand vous parlez d'échapper au karma, c'est-à-dire, je comprends ça par le karma négatif, donc le karma tel qu'on le conçoit généralement. Donc, on peut échapper en posant des actes qui sont justes. Lorsque nos actes sont justes, mais les conséquences sont justes, les conséquences sont correctes. Et ça ne va pas être un karma négatif pour nous, ça va être plutôt un dharma, une récompense. C'est ça. Quand nous observons un peu certains faits de la société, on a l'impression qu'il y a, je vais dire, une justice, une injustice apparente. Et peut-être une justice que nous, on ne comprend pas parce que je prends l'exemple d'un enfant, d'un bébé qui naît et que les parents ont jeté ou la maman a jeté dans une poubelle. On reprend cet enfant-là et malheureusement, malgré les soins, quelques jours, quelques semaines après, l'enfant meurt quand même. On va se demander, mais qu'est-ce que cet enfant a fait et à qui? L'enfant vient juste d'arriver, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Ça va nous paraître injuste, injuste. Et les erreurs judiciaires dont, que j'ai évoquées tout à l'heure, parfois, derrière ces erreurs judiciaires, il y a même la justice divine qui se manifeste. Et à contrario, on voit parfois des gens qui sont vraiment pervers, qui font du mal sur tout leur trajet. Et puis, bon, malgré ça, leurs affaires prospèrent. Les affaires prospèrent. On se dit, mais pourquoi Dieu ne s'occupe pas de cette personne? C'est pourquoi je disais tantôt que le karma ou le destin, disons pour être plus global, le destin inclut les notions de vie antérieure, de karma bien sûr, mais de vie antérieure. Parce que nous, on a tendance à voir seulement cette existence. On dit, mais dans cette existence, j'ai toujours été correct avec les gens, mais pourquoi je souffre? C'est parce qu'on ignore ce que nous avons fait dans nos existences, dans nos vies antérieures. Donc il y a la loi de la réincarnation, d'accord, la loi de la réincarnation, la loi du retour qui intervient là, et même la loi de la récurrence qui fait que les événements se répètent d'une existence à une autre.
Alors, on parle souvent du jugement divin, du jugement dernier. Comment tout cela est organisé? Bon, d'accord. Il faut avant tout faire une nuance entre le jugement divin tout court et le jugement dernier. Parce que le jugement dernier, il y a beaucoup de spéculations là-dessus. On conçoit le jugement dernier comme bon, un jugement qui va venir quand, à la fin des temps. À la fin des temps, quand tout le monde va mourir. Mais c'est totalement incongru. Parce que si nous, les humains, nous savons être justes jusqu'à un certain niveau, Dieu, il est 100% juste. On sait que quand quelqu'un commet une faute, qu'on le dépose en prison, la règle, ce qui est normal, est qu'on le juge le plus tôt possible. Alors, comment se fait-il que nos ancêtres, des gens qui sont morts depuis des millénaires, attendent, nous, notre mort pour être jugés, sans savoir, sans connaître le verdict ou la sentence? Non. Donc, la réalité est autre. La réalité, c'est que nous sommes jugés constamment. Nous sommes jugés constamment. Pour être précis, nous savons dans le gnosticisme que chaque mois, tous les êtres humains sont jugés. Précisément dans la nuit du 15 au 16 de chaque mois, les agents de la loi, donc Anubis et ses assistants, parce que c'est reconnu dans la liturgie égyptienne que Anubis est assisté dans son ministère par 42 juges, qu'on appelle les 42 juges de Maat. Oui. Donc ces 42 juges-là, et Anubis, ils se réunissent pour voir qui mérite un karma, qui mérite un dharma. Ça se passe dans tous les mois, dans la nuit du 15 au 16. Et nous, les gnostiques, nous savons que c'est une nuit un peu spéciale. Nous avons des pratiques ésotériques très précises que nous faisons, d'accord, pour soit négocier ce qu'on peut avoir comme karma et ou amplifier, je vais dire, le dharma qu'on va recevoir. Donc, il faut reconnaître qu'on est jugé constamment. Maintenant, quant au jugement dernier, oui, le jugement dernier arrive à notre mort. Oui. On ne va pas attendre que tout le monde meure. Non, chacun a son jugement dernier. C'est-à-dire, nous sommes jugés régulièrement, chaque mois, comme je l'ai dit, tout au moins chaque mois. Et c'est-à-dire, à notre mort, on va maintenant nous juger. Chaque mois, on est jugé. Comment? C'est-à-dire que le kaoum intérieur, ce représentant, ce procureur de la République, ce représentant de la grande loi divine que nous avons à l'intérieur de nous, dans notre conscience, chaque fois que nous dormons, se dédouble, se détache de nous pour aller consigner dans le tribunal divin, dans le tribunal cosmique, tous nos actes. Chaque fois que nous dormons, chaque fois soir. Que nous dormons, oui, chaque soir, dans un tout ce que nous faisons, les actes les plus insignifiants sont enregistrés dans un livre qu'on appelle le livre du destin. Ouais. On appelle ça aussi le livre de la vie. Ce que nous disons, n'importe quelle personne qui maîtrise le dédoublement psychique, le voyage astral, le voyage de l'âme, peut vérifier ce que nous avons. Chacun a son livre du destin. Et si nous arrivons à voyager consciemment en astral et à demander à voir notre livre du destin, nous serons surpris de voir la précision des actes que nous posons. Parce que c'est important pour que, au moment du jugement, quand on va nous dire, bon, tu as fait ceci il y a 30 ans, qu'on se dise, mais non, moi, j'ai fait ça. Donc, tout est écrit. Donc, au-delà de ce jugement, donc, je vais dire mensuel, d'accord, il y a le jugement dernier qui intervient après notre mort. Et alors, comment ce jugement est organisé? C'est quelque chose qui a été très bien expliqué, d'accord, par les Égyptiens. On trouve une image dans le livre des morts des Égyptiens. Oui. Le livre des morts des Égyptiens, pas le livre des morts des Tibétains, parce que les Tibétains ont leur livre des morts, les Égyptiens également. Donc, il y a une image qui montre clairement comment l'individu, le mort, est jugé. D'abord, c'est Anubis, d'accord, le régent de la loi, le procureur général de la justice divine, qui introduit le défunt dans ce qu'on appelle la salle de Maat, la salle où se tient le procès. Et le mort commence par faire ce qu'on appelle une confession, tout de suite. Donc,
On le montre, il ouvre ses mains pour dire, bon, un peu comme chez nous ici, on dit, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Quand il fait cette confession face aux 42 juges de maths, les 42 juges qui assistent à Anubis. Après cela, on va passer maintenant à la pesée De de l'âme. l'âme. Donc, on met une plume de la déesse Maat sur un plateau de la balance et on met le cœur du défunt sur l'autre plateau. L'idée est que le cœur pèse moins que la plume. La plume. Le cœur doit peser moins que la La plume. plume. Donc, il y a, disons, trois sentences, trois verdicts qui peuvent se dégager dans ce jugement-là. La première sentence est que, bon, il y a équilibre. Bon, là, ça signifie concrètement que nous avons fait autant de bien que de mal. Donc, là, on va dire, on va redoubler la classe. La loi de la réincarnation, la loi du retour, se met en jeu là. Donc, nous devons revenir dans ce monde, pour répéter, parce que l'objectif est que vraiment notre cœur pèse moins que la La plume. Voilà. plume. Donc, si c'est équilibré, c'est déjà très bon et tout le monde, c'est rare même d'avoir ça à notre époque. Mais on va revenir. Donc, nous allons prendre un nouveau corps. Donc, on va avoir droit à une nouvelle existence. Ça peut être dans le même pays, dans un autre pays. Ça peut être avec le même sexe ou un autre sexe. Ça dépend des expériences que nous devons vivre cette fois-ci. C'est ça. Ça, c'est la première sentence. D'accord. La deuxième sentence, c'est que notre cœur pèse effectivement moins lourd que la plume. Donc là, la personne a fait beaucoup de bien, a fait plus de bien que le mal. C'est d'ailleurs ce que les Égyptiens montrent dans cette image-là, dans le livre des morts. Et là, le défunt, il va accéder au royaume d'Osiris, qui représente le paradis, donc au Paradis. royaume du Père. Il a réussi, il a su profiter de cette existence-là. Alors la sentence la plus redoutable est que le cœur pèse plus lourd que la plume. Qu'est-ce qui va faire que notre cœur va peser lourd? Ben, les défauts, les ressentiments, les rancœurs, la colère, la jalousie, la gourmandise, la luxure. Ce tas de défauts que nous avons, ça va faire que notre cœur va peser plus lourd. Et dans ce cas-là, bon, si nous n'avons pas épuisé notre cycle de renaissance, d'accord, donc on sait que dans le bouddhisme, comme on le montre avec le collier de Bouddha qui compte 108 graines, nous avons droit à 108 existences précises. Si la personne n'a pas déjà effectué ses 108 existences, bon, la personne va un peu comme redoubler, revenir sur les tapis de l'existence et reprendre les expériences. Si par contre la personne a déjà épuisé ses 108 existences-là, la sentence, ça va être que cette personne va descendre dans les mondes infernaux qui sont représentés par un monstre qu'on appelle Amit, d'accord? Qui a une tête de crocodile, un cou de lion, un corps d'hippopotame et les pattes arrière de cochon. Tout ça est symbolique parce que ce monstre-là représente en lui-même les enfers. Et les enfers, bon, quand on parle des enfers, on pense que bon, c'est un lieu, quand on rentre, comme certaines religions le mentionnent, on n'en sort plus. Bon, c'est pas C'est normal. un passage. Oui, c'est un passage parce que on sait que dans notre justice humaine, quand quelqu'un finit sa peine, si c'est 5 ans, si c'est 20 ans, la personne, on le sort. Dieu ne peut pas nous demander de payer plus qu'on doit. D'accord? Donc, les enfers, c'est un mécanisme naturel qui est là pour éliminer nos défauts, pour détruire nos défauts. Donc, lorsqu'on finit, on rentre dans ces enfers-là, ben, bon, le but c'est d'éliminer ces défauts-là. Donc, les Égyptiens montrent la tête de crocodile. On sait que le crocodile a une grande gueule parce que quels que soient les défauts que nous avons, les enfers peuvent les broyer. Donc, le corps d'hippopotame avec sa grande capacité digestive, donc n'importe quel démon, n'importe quel défaut, quand ça rentre dans les enfers, c'est broyé, c'est digéré. Et le cochon, la partie qu'on monte avec le cochon, c'est pour symboliser le péché originel. Alors, on parle souvent aussi des 24 vieillards de l'Apocalypse, qu'on appelle les seigneurs de karma. Oui. Quel est leur rôle?
Dans le gnosticisme, nous plaçons les 24 vieillards au-delà du karma. Bon, c'est vrai, il y a un lien avec le karma. Ces 24 vieillards, au fait, ce sont deux régents. Nous savons que nous avons 12 constellations qui forment la ceinture zodiacale. Chaque constellation a deux régents, contrairement aux planètes. Oui. Les planètes ont un seul régent, un seul logos. Donc, calcul mental rapide, 12 fois 2, ça fait 24. Donc, ces 24 vieillards qui jettent, comme c'est mentionné dans l'Apocalypse, leur couronne devant le Christ sont les 24 régents du zodiaque. Et ils sont au-delà du karma, c'est-à-dire quand on atteint ce niveau-là, on devient ce qu'on appelle un adeptus exemptus, c'est-à-dire un adepte exempt du karma. Nos actes sont totalement justes. Dieu nous a jaugés, nous a jugés plusieurs fois. On a vu que on n'a pas de karma. C'est vrai, si on est toujours dans ce monde physique, on va continuer à payer une sorte de tasse d'impôts parce que ce monde, comme le disent les orientaux, c'est la vallée des larmes. Il y a la douleur un peu partout. Donc, on peut être exempt de karma, mais quand même avoir tomber de temps en temps malade, d'accord, parce que c'est les tasses, disons, que nous payons en ayant encore un corps physique. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que par la confession, on peut éliminer nos péchés ou nos mauvaises actions, ou entre guillemets, nos mauvais karmas? La confession, c'est clair, c'est un acte de dévotion, un acte d'humilité. Parce que parler de ses défauts, de ses erreurs à quelqu'un d'autre, c'est une démarche noble. Malheureusement, la confession ne suffit pas pour effacer nos karmas. La confession ne suffit pas. La preuve est que on se voit en train, pour ceux qui pratiquent ce sacrement-là, on se voit en train de confesser les mêmes défauts chaque fois. On va voir le curé ce mois, on va dire, bon, j'ai volé, j'ai menti. Le mois prochain ou dans 2 mois, c'est les mêmes choses. La preuve que les défauts ne sont pas... les erreurs se répètent. Pourquoi? Parce que derrière chaque défaut, si je prends la colère, qui est un défaut, il y a une entité qu'on appelle en philosophie un ego, une entité qui personnifie ce défaut-là. C'est-à-dire, je ne peux pas être un coléré si je n'ai pas le démon de la colère en moi. Donc, cette entité, on l'appelle ego, on l'appelle aussi moi psychologique. Donc, tant que nous n'avons pas éliminé l'entité qui nous pousse à la faute, qui nous amène à commettre des erreurs et donc à récolter du karma négatif, la confession reste limitée. Donc il y a toute une didactique, il y a toute une méthodologie, un processus bien précis pour éliminer ces entités-là, parce que ces entités constituent en réalité nos vrais ennemis. Nos vrais ennemis. Tout ce que nous faisons, tout ce qu'un être humain fait de correct, de bon, de juste, ça vient de la conscience. Et tout ce que nous faisons de déplacé, d'incorrect, d'injuste, de mauvais, ça vient de l'ego. L'ego et la conscience qui est une fraction de notre être divin, c'est l'étincelle divine en chacun de nous. C'est la lumière et les ténèbres qui luttent en permanence au sein de l'être humain. Donc, quand nos actes sont bons, c'est que ces actes-là sont conscients. C'est la conscience qui nous a guidés, qui nous a incités à poser ces actes. Mais les actes négatifs que nous allons poser, qui vont engendrer du karma, viennent de l'ego. Donc c'est bien la confession. Quand on fait la confession, bon, qu'est-ce qu'on peut observer? Si cette confession, on ne fait pas ça de façon mécanique, bon, en tant que chrétien par exemple, tout le monde se confesse, moi-même je vais me confesser et je dis du bout des lèvres, j'ai fait ci, j'ai fait ça, sans ressentir un repentir, sans avoir la moindre émotion, ça ne fait absolument rien. Mais s'il y a déjà un début de repentir, ce qui va se passer, c'est que les égos, les moi, les entités qui nous ont poussés à la faute vont se cacher. Ils vont se cacher au tréfonds de notre subconscient. Mais vont rejaillir plus tard. Parce que ces entités-là... pour nous amener à commettre les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Parce que ces entités ont compris que ne sont plus prêts à collaborer avec elles. Donc vont se cacher ces entités qu'on appelle les péchés. Donc toutes les religions
font référence à l'ego, au péché, et nous invite à cette lutte. Bon, on ne fait pas toujours, on ne va pas toujours dans le fond pour expliquer au dévot qu'est-ce qu'il doit faire pour se débarrasser de ces entités qui le poussent à faire des erreurs. Mais c'est clair que toutes les traditions ont connu ça, on voit ça dans les mythologies. La lutte entre Thésée et le Minotaure crétois représente cette lutte. Représente cette lutte intérieure que nous devons faire, cette guerre intérieure que nous devons faire. Ou, comme on appelle, Persée et la Méduse. Cette Méduse est à l'intérieur de nous. D'ailleurs, quand vous voyez l'image que les grands artistes, qui sont souvent bon, les anciens peintres, sculpteurs, c'est des gens, c'est des initiés. Oui, d'accord, Michel-Ange. Léonard de Vinci. C'est des initiés. Ouais. Donc, quand vous prenez, par exemple, la sculpture de Persée et de la Méduse, vous regardez bien la tête de la Méduse, la tête qui est supposée être la tête de la Méduse, c'est la photographie, c'est la même tête que Persée. Donc ça veut dire que c'est une partie de nous-mêmes dont nous devons nous débarrasser. Est-ce que Dieu nous pardonne toutes nos fautes? Malheureusement, non. Malheureusement, non. C'est vrai, Dieu est... Mais on dit qu'il est miséricordieux. Il est miséricordieux, il est miséricordieux. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sa miséricorde est représentée par la balance. Mais imaginons que Dieu nous pardonne tout. Comme l'a dit Samuel à Nouvelle, ben, si Dieu nous pardonne tout, ben, on va être beaucoup plus poussé à commettre des erreurs parce qu'on sait que d'avance, Dieu nous a déjà pardonné. Ou on va épouser cette idée que bon, certains chrétiens véhiculent comme quoi Jésus serait mort sur la croix pour tous nos péchés à venir. Jésus, ben, Jésus, c'est un grand maître, c'est le plus grand être que notre humanité ait connu. Donc, Jésus nous a montré le chemin que nous devons tous mener nous-mêmes pour parvenir à la libération finale, à ce qu'on appelle dans l'hindouisme la moksha. Donc Dieu ne nous pardonne pas tout, heureusement, parce qu'il y a des erreurs que nous commettons. Et la seule manière, le seul moyen pour nous, c'est de les réparer. Oui, de les réparer. On va les réparer, ça c'est clair, parce que Dieu a mis l'ordre universel et tout est en ordre. Je peux dire que Dieu, après avoir créé, comme d'ailleurs le dit le livre de Genèse, il est allé se reposer. Et ce repos continue, c'est-à-dire qu'il a tout mis là, il est allé se reposer. Donc quand quelqu'un vient créer un désordre, il doit réparer ce désordre-là. C'est vrai qu'il y a, certains karmas qu'on peut négocier. Négocier son karma et ça va s'effacer. On va pas souffrir. Mais il y a d'autres, on est obligé de payer ça par la douleur. Parce que la souffrance est le seul moyen pour nous de comprendre notre faute. Si on a tué, on va être tué. Si nous avons menti, à part notre mensonge, nous avons détruit un couple, détruit la vie, détruit la profession, détruit le business de quelqu'un, ben, on va subir les mêmes choses. Le problème, comme je l'ai dit tantôt, eh bien, c'est parce que nous, on ne fait pas de lien avec l'existence que nous menons actuellement. Et c'est l'avenir ou celle qui nous a précédé. Voilà, donc on se dit, mais bon, je ne me vois pas, je ne sais pas pourquoi j'ai cette faute. Donc, Dieu ne nous pardonne pas tout. C'est écrit, noir sur blanc, dans la Bible, par exemple, que les péchés contre l'Esprit Saint sont impardonnables. Les péchés contre l'Esprit Saint sont impardonnables. Est-ce que tout ce qui nous arrive est prédéterminé? Non. Tout ce qui nous arrive n'est pas prédéterminé. Parce que nous ne devons jamais oublier les épreuves de la vie. La vie, c'est une école. Une école où on est là, on doit apprendre et on doit passer. On doit être soumis, j'allais dire, à des rites de passage. La vraie initiation, l'initiation authentique, c'est dans la vie même. L'initiation authentique. Et c'est vrai que quand on se comporte correctement dans la vie, ben, on va recevoir, on va voir l'équivalent de ces initiations dans les mondes internes. Mais il n'y a pas de véritable initiation qu'on peut recevoir dans le monde physique, dans une loge, dans une secte, ça n'existe pas. On confond souvent les rites de passage d'un niveau à un autre dans les ordres, à l'initiation authentique. Ces rites de passage ne font absolument rien à notre âme. Non. Ça nous fait changer de grade dans l'institution, dans ce groupe, c'est tout. Parce que nous avons passé un certain nombre d'années. Ça n'influence pas notre ascension spirituelle. Donc,
La véritable initiation, la véritable école, c'est dans la vie de tous les jours. Donc nous sommes régulièrement soumis à des épreuves. Et les épreuves génèrent parfois, souvent, des souffrances qui sont parfois très dures. Pensons au personnage biblique Job, qui a souffert pendant 8 ans. Est-ce que Job avait... C'était un karma? Non, parce que Dieu aurait eu une conversation avec Satan et Satan a demandé, Dieu louait la justice, d'accord, de Job. Satan dit non, tu vas voir, si tu me le laisses, je le tente, je le secoue un peu, tu vas voir qu'il va se retourner contre toi. Et donc Job a souffert pendant 8 ans. Ce n'était pas du karma, pas du tout. Mais il a souffert, il a eu toutes sortes de souffrances. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a souffert de la lèpre et tout. Mais Dieu, ça a dit, c'était une épreuve de fidélité pour Job. Donc, quand on passe les épreuves dans la vie, c'est plutôt bien. C'est parce que Dieu voit que nous avons des aspirations pour avancer dans notre ascension spirituelle, que Dieu va nous soumettre à des épreuves. Donc, c'est clair que tout ce qui nous arrive de douloureux n'est pas prédéterminé. Non. En plus, au-delà des épreuves de la vie, il y a une autre loi cosmique qui fait partie, bien sûr, des 48 lois qui nous gouvernent dans ce monde physique. C'est la loi de l'accident. C'est la loi de l'accident. Je vais donner un exemple concret. Si une personne traverse la route en ayant le téléphone à l'oreille et que cette personne s'identifie aux paroles et traverse, il peut être renversé par une voiture et même mourir dans ce drame-là, sans que cela ne soit prédéterminé. Ce n'était pas prévu que cette personne meure en ce moment-là, à ce âge-là. On pourrait éviter ça. On pourrait éviter ça. Si la personne se comportait mieux, respectait le code de la route. Voilà. Maintenant, nous pouvons pousser plus loin la réflexion et dire que le karma, comme toutes les souffrances qu'on peut endurer et qui sont dues à la loi de l'accident, ont un dominateur commun, qui est l'ego. Parce que, comme vous l'avez dit, la personne n'a pas respecté le code de la route. Donc, bon, voilà, qu'est-ce qui va nous amener à faire ça? C'est un moi psychologique, c'est un ego, c'est une entité qui est en nous, qui nous amène à nous identifier à la conversation, et tout, ou à ne pas vouloir respecter tout simplement le code de la route. Donc, le karma, je le répète, je précise, l'ego, c'est notre ennemi. L'ennemi le plus dangereux que nous devons combattre, parce que c'est lui qui va nous amener à être victime de la loi de l'accident. Donc, la loi de l'accident crée beaucoup de douleurs. Samuel Hahnemann nous dit que des souffrances que nous subissons, qu'un être subit, il y a 50% qui sont karmiques et 50% qui sont dus à la loi de l'accident. Dans les milieux ésotériques, on a tendance, quand on voit quelqu'un souffrir, c'est son karma. C'est pas évident. C'est pas toutes nos souffrances qui sont karmiques. Il y a des souffrances qui passent, peut-être parce qu'on est en train de nous jauger. On est en train de vivre un rite de passage. On est en train de nous initier. Ou tout simplement, c'est la loi de l'accident. Nous avons mis notre pied là, il ne faut pas être. Et puis, on est victime. Dieu n'a pas prévu pour nous une punition. Alors, est-ce qu'on peut connaître son destin? Oui, c'est possible de connaître son destin et c'est même une démarche noble. Hein. On peut connaître son destin à travers les arts divinatoires. Oui. La géomancie, l'astrologie, le tarot, la chiromancie. On peut, en regardant les lignes des mains d'un individu, connaître son destin. Ceci dit, c'est très important à notre époque où c'est vrai, nous sommes dans l'ère du Verseau où la connaissance est totalement démocratisée, mais on voit également un peu de tout. On l'a dit déjà, on ne doit pas assimiler le karma ou la loi de cause et d'effet, le destin, au fatalisme. Non. Donc, on peut connaître son destin avec les arts divinatoires, mais ce ne sont que des pronostics. Des indications, des influences. On dit que les astres influencent, mais ne déterminent pas. Donc, quelqu'un peut avoir son thème astral. Notre thème astral, c'est notre horoscope pour la vie.
avec des points très négatifs, des carrés, comme on le dit, des oppositions entre les planètes, des planètes clés, comme on le dit en astrologie, et pourtant avoir une vie agréable. D'accord? Donc, c'est bien de connaître et de savoir à quoi s'entendre, mais une fois qu'on sait que, bon, il y a tel danger à tel niveau, ben, on peut travailler sur soi. Et pour changer la donne. Pour changer la donne. On peut modifier son destin. On peut modifier même radicalement son destin. Sans quoi Dieu serait une mécanique, c'est-à-dire il n'y aurait pas une intelligence derrière toutes ces choses-là. Donc on peut modifier totalement son destin. Et on doit justement travailler à modifier notre destin. Comment modifier alors son destin et vivre, et connaître le bonheur? Comment modifier son destin? Ben, la première des choses à faire, c'est de comprendre que le véritable bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur, si on cherche le bonheur en soi, on ne le trouve pas, on ne peut pas le trouver. Preuve est qu'il y a des gens qu'on connaît qui ont tout pour être heureux. Mais qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont peu de choses, mais qui sont très heureux. D'accord? Donc, le bonheur, si nous voulons un destin agréable, si nous pensons que c'est dans des choses matérielles que notre destin va être beau, on ne sera jamais heureux. On sera jamais heureux. Deuxième chose, c'est justement d'éliminer en nous les entités qui nous poussent à la faute, qui nous poussent à avoir un destin qui est plutôt néfaste. Éliminer ce qu'on appelle en philosophie les égos, les moi psychologiques. Il faut les éliminer. Quand on les élimine, on va développer une juste manière de penser, une juste manière de sentir, une juste manière d'agir. Si nos pensées, nos sentiments, nos actes sont justes, il n'y aura pas de karma. Donc notre destin sera agréable. Parce que déjà, même si nous nous proposons de modifier notre destin, en ce moment déjà, on a accumulé beaucoup de karma. Ouais. Donc il ne faut pas en rajouter. D'accord? Et il ne faut pas aussi, vous voyez un peu, je reviens à l'histoire de Job, où tous ses amis, les trois derniers amis qui n'étaient pas de véritables amis, qui étaient de faux amis, ont voulu pousser Job à se retourner contre son Dieu, son créateur. Job a dit non, Dieu, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand nous souffrons, il faut philosopher et se dire, si je subis cette souffrance, il doit avoir une raison. Il doit avoir une raison. Parce que se prononcer contre le karma, ça va renforcer, ça va amplifier nos souffrances. Donc, il faut rentrer en soi-même et ne pas chercher la cause de ces souffrances que nous endurons. Éliminer ces égos. Quand il n'y a pas d'égo, c'est qu'il n'y a pas possibilité de commettre des erreurs. Si on ne commet pas d'erreurs, Dieu ne peut pas nous punir. Donc, voilà comment on peut modifier son destin. Alors, quelles sont, les actions que l'on peut poser pour accumuler le bon karma? Le bon karma. Il faut faire de bonnes œuvres, à la tonne, comme le dirait l'autre. Il faut faire de bonnes œuvres. Nous pouvons imaginer une banque cosmique. Une banque cosmique où nous avons tous un compte. Chaque mauvaise action que nous posons fait débiter notre compte. Et quand on pose des actes corrects, juste, bon, on fait du bien, pour être précis, notre compte est crédité. D'accord? C'est quand la balance est débitrice, le solde est débiteur, qu'on va parler de karma ou de karma négatif, pour être précis. Donc, chaque fois que je fais du bien, c'est que je suis en train d'équilibrer ma balance, donc rendre le solde totalement positif. Donc, il faut faire les bonnes œuvres à la tonne. Il faut faire du bien. Quand, si j'ai un parent qui est malade et c'est un être très cher, un proche, je veux que ce parent la guérisse. Il y a des gens qui souffrent plus que mon parent. Donc souvent, c'est que nous sommes égoïstes dans notre démarche de trouver le bonheur. Il faut être moins égoïste. Il faut penser aux autres. Donc, le bien qu'on fait aux autres, on se le fait soi-même. Ça nous suit. Si on ne récolte pas les fruits
dans cette existence, on va récolter les fruits dans d'autres existences. Merci Kenneth Goumissi, vous êtes professeur en anthropologie gnostique. Merci d'être passé et nous apporter ces précisions sur la notion du destin. Merci et à très bientôt. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Thank you.